Oui. Le point le plus important, c'est le message. À l'endroit d'abord de nos partenaires danois, vous savez, le royaume du Danemark jouit d'une très bonne réputation ici en République du Mali pour les actions de développement qu'il apporte. Mais je pense qu'il est très important de maintenir, disons, cette bonne relation. En tout cas, nous les invitons à faire attention aux partenaires, à certains partenaires, qui ont du mal, malheureusement, à se départir des réflexes coloniaux. Le deuxième message, c'est à l'endroit de nos compatriotes. On se souvient tous, après les Assises nationales de la Refondation, je pense que les Maliens, dans leur grande majorité, ont fait le choix d'être des citoyens à part entière et de veiller surtout au respect de leur dignité. Et suite à cela, la vision de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, est très claire. Le Mali, en tant qu'État souverain, s'assume et s'assumera. Vous savez, nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Je pense qu'il est très important, quoi, de rappeler que le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également Madame Parly à plus de retenue. Plus de retenue. Et également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase de Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. En tout cas, nous, culturellement, on ne parle pas beaucoup. C'est par éducation et compte tenu de notre très bonne culture. Nous ne ferons pas d'affirmations gratuites, mais je pense qu'il est très important d'adresser quatre interrogations à Madame Parly. La première interrogation. Lorsqu'un État décide de soutenir un autre État, qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre territoire national, il est important de se poser la question de savoir qui est dans la provocation. La deuxième question, c'est lorsqu'un aéronef viole notre espace aérien, éteint son transpondeur pour ne pas être identifié, et coupe la radio pour ne pas être en contact avec les opérateurs. Le contrôle, on se pose la question qui est dans la provocation. Troisième interrogation, lorsqu'on divise les Maliens en pour ou contre la transition, on se demande qui est dans la provocation. Dernière interrogation, lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation. Soit dit en passant, vous savez, le problème qui nous oppose en tant que Maliens ne regarde que les Maliens, ça ne regarde pas notre pays. Et notre souhait, en tout cas, c'est la vision du chef de l'État, grâce à nos liens sociaux et familiaux, je pense que nous allons très rapidement régler nos problèmes. Et je voudrais ici féliciter l'ensemble de la classe politique malienne, la société civile, les différents mouvements pour leur patriotisme. Quel que soit leur avis, divergent ou convergent sur la transition. En tout cas, nous sommes entre Maliens, encore une fois, conformément à la vision du chef de l'État, nous allons trouver une solution de manière consensuelle. Un autre point, soit dit en passant, le problème entre le Mali et les organisations régionales ne concerne que les Africains. Vous savez, ayant en partage l'histoire et la géographie. Avant de terminer, je voudrais ici insister sur le fait que le Mali tient à la paix et la sécurité internationale et surtout à la coexistence pacifique entre les États. Nous ne sommes pas un peuple violent ni belliqueux. Et enfin, nous tenons également au respect de notre État et de notre dignité en tant que peuple ayant une riche histoire et surtout issu de très grandes civilisations. Merci beaucoup.